C'est une affectée que j'ai arrêtée, que j'ai éteint mon goût. C'est sûr. Salut les filles, comment ça va? Attends, non, je crois que ça marche. Oui, ça marche. OK. Alors, bienvenue à ce cours numéro 8. OK. Numéro 8 sur l'éducation. Alors, tout d'abord, avant de commencer le cours, je voudrais juste vous faire une annonce. Donc, la semaine prochaine, pas cours bar mitzvah de Eli Yehuda, mon petit chouchou, auquel vous êtes les bienvenus, Bezrat Hashem. Et semaine d'après, Pourim, d'accord ? Donc, pas cours le jeudi. En revanche, mardi prochain, à 10h30, on a un cours avec ma belle-sœur Joy Galam, qui est co-auteur, parce qu'elle n'aime pas dire... Elle n'aime pas que je dise elle est auteure du livre. Non, elle est co-auteure de ce livre avec lequel nous étudions. Mais elle ne va pas faire un cours sur l'éducation. Ce sera un cours sur la paracha de la semaine et sur le self-esteem. Je vous invite à venir. Elle est extraordinaire, Leïnara. Et elle est vraiment top. Donc, je suis sûre que vous allez kiffer. 10h30, mardi prochain. Ouais. Bon, en fait, ils sont tous là. Elle est là avec, si Dieu veut, ses enfants, deux de ses enfants et mes beaux-parents et mon beau-frère. That's it. Alors, OK. Donc, maintenant, on va dédier ce shiur pour Leiloui Nishmat Richard Shimon Ben Shlomo, Mamie Daisy Ayala Bat Para. Je ne me souviens plus de le prénom, je ne sais pas là. Déborah, tu me rectifieras quand tu verras ce recording. Leiloui Nishmat Shlomo Ben Frecha, Tadi Bat Rivka, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna, que Hachem nous donne vraiment une réponse chez les Madekarov, ses beaux-parents, et on demandait hier comment ils étaient élimes. Vraiment, ils ont dit qu'il faut qu'on fasse bouger tous les décrets dans le ciel, Medrat Hashem. Alors, Alexandra Esther Chaya Bat Patricia Luna. Ensuite, Malka Chaya Bat Simi, Franck Nathan Ben Désiré Rivka, Keti Rivka Bat Mesaouda, Talia Akov Ben Sarah, Shira Yafa Bat Sarah, Lamiel Bat Sarah. Je sais, il faut que je lui demande, à chaque fois, j'ai oublié de lui demander. Isaac Ben Esther, Aaron Ben Gracia, Linda Sarah Bat Gabi Simcha, Gabi Simcha Bat Kuka, Kiki Yaakov Ben Simcha, Ruth Mesaouda Bat Sultana, Meir Ben Sari, Adiel Ben Shoshana, Jean-Marc Mordechai Ben Arlet Zeina, Odelia Simcha Bat Hana, Abraham Yehoshua Ben Sultana, Jean-Michel Perez Yosef Ben Joseph Michal, et le papa de mon ami qui doit attendre des résultats aujourd'hui, Bezrat Hashem, que ce soit extrêmement bon, Jonathan Ben Esther, que Hashem lui donne une réponse chez Lima, Bekarov et des bonnes nouvelles. Un bon zivou pour Sarah Mesaouda Bat Sultana, Shmuel Ben Sarah, David Avram Ben Gila, Myriam Batraya, Yaniv Ben Yona Arlet, Natasha Myriam Bat Issa, Emma Bat Pascal Ruth et Linoy Rafaela Bat Esther. Bien sûr. Shirley Simcha. Ah oui. Shirley Simcha Bat Aline. Merci beaucoup. Ça va? Alors, je vais prendre. Tu me texteras, je rajoute Aline là. Shirley Simcha Bat Aline Blanche. Judith Yael Bat Sarah. Et Stéphanie, la sœur de Jen. Stéphanie Léa. Bat. Myriam. Amen. Bezrat Hashem. Et les bébés en bonne santé pour Efrat Moran Bat Lisa, Esther Bat Yael, Melissa Esther Bat Léa, Sharon Rivka Bat Simcha, Elidan Binyamin Ben Esther, et Elida Kala pour Doris Bat Gila, Rachel Bat Monique Nemchen. Et pour tous les amis de Israël et une bonne santé que Hachem envoie la Géoula et le Shalom en Ukraine, Bezrat Hachem pour tous nos frères qui sont là-bas et que Akadosh Baruch Hu nous envoie, nous donne le mérite de recevoir la venue du Mashiach. Je voulais vous dire, très important, Rabbi David il a dit la semaine passée, ce serait bien que chacun
on est une robe, enfin, pas les hommes, bien évidemment, ils ont un costume, qu'on réserve pour la venue du Mashiach. Il y a deux choses qui vont se passer lorsqu'à 120 ans, on monte dans le ciel. Ouais, moi, j'ai commandé ma robe chez Zara. Ouais. J'en avais une autre, mais que j'ai mise entre temps. Donc, une robe que je réserve. On met de côté parce que si Dieu veut, avant Pessah, Hachem, il va nous envoyer Mashiach et qu'on montre ouais, ce Pessah, si Dieu veut. Très, très cher. Tous les jours, on doit espérer que Mashiach vienne aujourd'hui. Alors, justement, à 120 ans, lorsque Kadosh Baruch Hu, il va nous dire alors qu'est-ce que tu as fait, toi, de tes 120 jours, 120 années que je t'ai donné comme ça sur Terre, dans ce monde de l'action dans lequel on est, d'accord? Puisque la Neshama, lorsqu'elle part de ce monde, elle est présente, elle est vivante, mais elle n'est plus dans le monde de l'action. D'accord? Le monde de l'action, c'est le monde où on peut faire des mitzvot. C'est ça qui fait qu'on est vivant. Être vivant, c'est être dans la réalisation de mitzvot dans la matière, d'accord? Avec les choses qu'on peut avoir. Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, est-ce que tu as été la Solange que tu avais le pouvoir d'être, que je t'ai donné le potentiel d'être? Est-ce que tu as été la Shirley, Alexandra, que tu avais le pouvoir d'être, le potentiel d'être? Ou est-ce que tu as raté ton truc? Tu as fait le tir de côté, d'accord? Tu as évité d'aller là où moi je t'attendais, d'accord? C'est pas le Rav Ishaï qui avait dit la première question qu'il pose, c'est si c'est pas que le Rav Ishaï, c'est la Torah qui nous dit. Non, mais ouais. Bien sûr, bien sûr. Peut-être, Rav Ben Shetri t'en parle beaucoup aussi, beaucoup de grands rabbins. Que tu dis que tu as attendu. Ah, et que tu as attendu ma chère, ça c'est la deuxième question. Alors, et montre-moi en quoi tu as attendu ma chère, toi. En quoi tu croyais en ma chère? Tu l'as attendu tous les jours, on doit l'attendre. Tous les jours, il va venir aujourd'hui. Ben, s'il vient aujourd'hui, non, ma fille, la porte tous les jours. Je ne sais pas si c'est un brush de crâne. Hello, Mélissa. Elle me dit, mais ma chère, viens m'aider. Sors-moi de cette... De cette mer. Sors-moi de cette maison, j'en peux plus. Comment ça va, ton fils? Ça va, non, c'est juste, tu sais, une infection, c'est rien, c'est juste qu'il n'accepte pas à l'école grâce à Dieu. Enfin, regarde, il est avec moi, j'adore. On kiffe. Pas. Ah non, je suis pas mieux. Tu m'entends? Ah ouais, ça y est. Ah voilà. Non, il a rien, il a pink eye, c'est pas la fin du monde, grâce à Dieu. Ça va, ouais, ouais. Donc, mais il est interdit d'aller à l'école, mais c'est pas grave, il est avec maman. J'ai l'impression qu'il puisse se remettre rapidement et retourner à l'école. Amen, amen, amen. Okay. Vous avez commencé? Non, on a juste dédié le cours. Non, on parlait juste de l'importance d'acheter sa tenue pour Mashiach et de la réserver. Que Hachem nous envoie Mashiach, on y croit, on sait qu'il va être là, qu'il va venir bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a déjà la tenue. On montre vraiment, quand je crois en quelque chose, je sais que la bar mitzvah, c'est la semaine prochaine de mon fils, j'ai acheté ma tenue pour la bar mitzvah. D'accord? Et je ne l'ai pas mis entre-temps. Bah oui. D'accord? Et, oh là là, petit chouchou! Donc, est-ce que vous avez cru en Mashiach et est-ce que vous avez attendu Mashiach surtout? Eh bien oui, on l'attend et on y croit et on agit dans ce monde pour le faire venir, puisque c'est entre nos mains maintenant d'agir pour le faire venir. Et en particulier, nous les femmes, parce qu'on sait que la Géoula, par exemple, elle est arrivée par l'intervention des femmes, d'accord, qui ont donné confiance aux hommes et qui ont poussé leur mari à croire en la Géoula, à croire en la liberté, d'accord, à croire qu'on pouvait être des êtres libres. Ce n'était pas évident pour des esclaves depuis 10 générations. Impossible d'imaginer qu'on pouvait être un être libre, d'accord. Donc voilà, donc c'était vraiment important en tant que femme de l'attendre et d'avoir sa petite tenue. Voilà, on peut acheter, profiter de solde ou quoi pour acheter une belle tenue et se dire, voilà, le jour où ma chère il arrive, voilà ce que je vais mettre. Voilà comment je vais le mettre. D'accord. Et c'est notre manière de dire, bah, tu vois, je t'attends, tu n'as plus qu'à venir. Viens maintenant, je suis prête. Okay. J'ai une question. Donc ça c'est le côté matériel de comment on veut montrer à Mashiach qu'on l'attend, mais est-ce qu'il y a une façon aussi comme c'est pas spirituel mais d'autres choses à faire, tu vois, parce que moi je connais pas trop. Alors ouais. D'abord l'attente en Mashiach, qu'est-ce que tu dois, ben, on va prendre un exemple. Si tu attends, vous connaissez cette pièce de théâtre En attendant Godot, hein?
Bon, alors, tant mieux. Parce que, alors, qu'est-ce que tu vas faire si, par exemple, tu attends quelqu'un d'important qui va venir? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me préparer. Je vais faire que la maison elle est en ordre, qu'il soit bien reçu. Ok. Voilà. Je sais pas. Tu vas t'habiller, tu vas te faire belle, tu vas préparer tes enfants, tu vas leur dire attention, il arrive. Déjà, ça, c'est toute la préparation matérielle. On prépare même nos enfants. Ça fait partie du cours de la dîme de les préparer. C'est ma chère qui va venir. Donc, il faut qu'on soit prêts, les enfants. Qu'est-ce que toi, tu vas faire, petit, maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire d'action? Pas dans le matériel, comme tu as dit, pas dans mes vêtements ou dans ma nourriture, d'accord? Mais dans mes actions, d'accord? Eh bien, je vais tout simplement voir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il désire. Qu'est-ce qu'il attend du peuple juif pour faire descendre Mashiach? À cause de quoi le peuple, à cause de quoi le Beth Amidash, il a été détruit, le deuxième Beth Amidash? Les Juifs, ils étaient pas, ils étaient méchants entre eux. Ils parlaient la Shonara. Non, c'est le Sinat Rinam, c'est-à-dire la haine gratuite. Ah ouais. La haine gratuite. Ça passe par la Shonara, mais c'est pas que ça. C'est la haine gratuite, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on reconstruit le troisième temps par l'inverse de la haine? C'est quoi? L'amour. C'est quoi l'amour gratuit? Avat Rinam. Avat Rinam. Ok. On dit que toutes les mitzvot de la Torah, elles se résument en un mot. La Torah, elle se résume en un mot, en une phrase, entre guillemets. C'est « Ve'ahavta le'reacha kamocha » et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes. Pas comme toi-même, comme tu t'aimes. D'accord? Alors, comme tu t'aimes toi-même, d'accord? D'abord, donc, tu dois apprendre à t'aimer. Ça, c'est un truc. Tous ces cours que moi, je fais beaucoup autour du self-development, du fait d'être en congruence avec qui on est vraiment, d'être bien dans ses baskets, c'est hyper important parce que c'est apprendre à s'aimer. Quand j'apprends à m'aimer, j'apprends, je suis capable d'aimer l'autre. Quelqu'un qui ne s'aime pas ne peut pas aimer l'autre. D'accord? Ensuite, on parle de ahavat rinam, de vraiment d'amour gratuit. C'est-à-dire que je ne le fais pas pour quelque chose, je ne le fais pas par condition, je ne le fais pas dans l'attente de quoi que ce soit. J'aime l'autre parce que c'est l'autre et qu'il est comme il est. Ok? J'aime, et c'est quoi aimer? Aimer Ahava, ça vient de Hav qui vient de donner. Donc, je vais donner à l'autre. Je ne vais pas donner de manière démesurée. Hachem, il n'attend pas que je donne de manière démesurée. En revanche, là où c'est difficile pour moi de donner, je vais aller donner un petit peu. Par exemple, c'est difficile de donner à ma belle-mère. Nathan aussi, c'est donner. Mais Hav, c'est une autre forme de don. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, par exemple, quelque chose que je n'aurais pas fait naturellement? Je n'aurais peut-être pas... naturellement été apporter un peu de réconfort à une personne qui est seule. Je sais qu'il y a une copine qui n'est pas bien en ce moment, ben, je vais l'appeler, je vais lui dire alors comment tu vas, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi. Donner de l'amour gratuitement. Mais ça commence par soi-même, ça commence par ses enfants et ça commence par son mari. Et seulement après, on élargit. Parce que si on donne de l'amour gratuit, c'est-à-dire que si on s'occupe beaucoup des autres, mais qu'on oublie son cercle, alors on doit se rappeler, Hachem, il ne t'aurait pas donné d'enfant s'il ne voulait pas d'abord que tu t'occupes de tes enfants. Il t'aurait dit, ok, tu t'occupes d'abord des autres, et puis ensuite on voit. C'était par exemple la mission du Rebbe Miloubavitch et de son épouse. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais leurs enfants, c'était tout à Israël. Ils ont donné de l'amour gratuit à tout à Israël, à tous les enfants. Jusqu'à aujourd'hui encore, on reçoit l'amour gratuit du Rebbe et de la Rebbetine. D'accord? S'ils avaient eu leurs propres enfants, ils auraient dû se focusser d'abord sur leurs enfants et ensuite sur le reste. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il fait les choses dans ce sens-là. Donc, quelqu'un qui se dit, ok, moi, ma priorité, ça va être d'aller faire du chesed. Bah, pour moi, le chesed, c'est d'aller visiter des malades à l'hôpital seulement, d'aller faire ci, d'aller faire ça. Mais à la maison, je rentre et je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'énergie, je suis trop fatiguée. Bah, tu te trompes, ma cocotte. En fait, d'abord, tu t'intéresses à ton cercle premier, ton petit cercle, ce que Hachem il a donné et que personne d'autre que toi ne peut faire ce recette. C'est pas la voisine qui va aller faire ce recette. C'est de toi que dépend ce recette. Ce lien d'amour, c'est simple. Il faut se dire, c'est quoi l'amour? Avat Israël, c'est quoi? C'est comme si on avait, vous savez, ces élastiques, ces bracelets en élastique qui font les petits enfants là, qu'est-ce qu'ils font? Ils les imbriquent les uns dans les autres. Ouais, non, pas les Scooby-Doo. Tu sais, les petits rubber bands, tu vois? Et ben, ils se mettent l'un dans l'autre et l'un dans l'autre. Et au final, ça forme un bracelet, d'accord? Mais
Ouais, infinity. Mais qu'est-ce qui se passe s'il manque un moment, un lien? Par exemple, tu as besoin d'un élastique pour la tresse de la petite, tu te dis tiens, et ben, le truc, il est complètement lâché et ça se défait complètement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé cet élastique entre nous. D'accord? Il a dit, c'est simple, je te donne les maillons, je te donne les rubber bands, toi, tu les imbriques l'un dans l'autre. Lorsque tu donnes, eh bien, tu imbriques ton maillon dans le maillon de l'autre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je t'ai mis avec 3 enfants, 1 enfant, 4 enfants. Pourquoi? Parce que toi, je veux que tu crées ce lien, ce petit bracelet, tu vas le créer là d'abord. D'accord? Si toi, tu ne crées pas ton petit bracelet là, tu peux aller créer des bracelets à côté. Mais le problème, c'est que ton bracelet à toi, il n'est pas fini. Donc, en fait, les liens que tu vas faire, ils ne servent à rien. Ils n'unissent pas à Israël comme moi, j'attends qu'ils soient unis. Donc, lorsqu'on donne de l'amour, l'amour, il doit d'abord commencer à la maison. Et il y a quelqu'un, la dernière fois, qui me parlait d'un très, très beau projet. Je dis, franchement, ça me chauffe énormément. Mais je sais que si je fais ce projet, alors je dois m'occuper de certaines choses. Ça me donne des responsabilités. Il faut que je sois quelqu'un de responsable. Je sais que tu me connais. Si je prends ces responsabilités, il va falloir que le soir, je fasse davantage de trucs et ça. Je dis, non, je ne peux pas. Mes enfants, aujourd'hui, ils ont besoin de moi. À la maison, mon mari, aujourd'hui, il a besoin que je sois disponible pour lui aussi. D'accord? Donc, ce n'est pas le moment de faire ça dans cette étape-là de ma vie. Peut-être un autre moment, peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais je pense qu'Hachem, il m'a dit aussi, tu vois, je t'offre cette opportunité pour voir qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas décider de faire. Ok? Tu décides, tu as fait le bon choix ou pas? Parce que j'aurais pu dire, ah ben non, c'est vachement important, attends, mais tu te rends compte combien il y a de femmes qui ont besoin de recevoir ci et ça, ta vie, ta. Non, là, à ce moment-là, ce qui est important, c'est de te concentrer sur ta première mission. Ta première mission, c'est d'abord ta famille. C'est d'abord tes enfants, ton mari, ensuite tes enfants. Ok? Toi, ton mari, tes enfants. Ça, c'est le noyau, c'est la base de l'élastique qui va permettre de te lier aux autres élastiques pour former ce bracelet. Ok? C'est vraiment super important de comprendre ça. Je me souviens plus pourquoi. Ah oui, donc qu'est-ce que tu peux faire pour faire venir Mashiach? Non seulement tu achètes ta robe et une robe snoot, magnifique. D'accord, pour le jour de la venue de Mashiach, d'accord, ouais. Mais en plus, bah, tu vas donner de l'amour. Et il y a là. Vas-y, Enrico Macias, son objet ensemble. Donnez-moi. Mashiach reviendra. Tam, 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 tam. Ok. Oh, continue. Donnez-moi de la tendresse. Allez. Non, mais regarde, il kiffe. Moi, pour la semaine prochaine, vas-y. 1, 2, 3. Wouh, j'adore, toi aussi, tu l'as fait très bien. Vas-y. Moi, bien que ça. C'est pas grave. Dis-moi, 40 ans de practice. Moi, je suis nulle. Vas-y. J'adore. À toi, toi, tu l'as fait ou pas? Non. Oh. D'accord, c'est pas grave. Je te garde quand même. Ah ouais, obligé. Ok, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour la reconstruction du Mashiach? Eh bien, tout simplement, là, et ce n'est pas si simple que ça, mais Ahavat Chinam. C'est vraiment super important. Aimer son prochain. C'est quelque chose de primordial. C'est vraiment la base, mais pas que pour les Juifs. Je trouve que ça devrait être une base. Bien sûr. Pour une vraie base de vie. Bien sûr. D'aimer l'autre comme soi-même. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça éviterait des problèmes. Bien sûr, c'est une évidence, c'est sûr. Grâce à Dieu, je m'aime pas mal. Ouais. On va faire un petit télim, on va commencer le cours sur l'éducation d'aujourd'hui, qui parle aussi d'amour d'ailleurs. La Nasser Mizmor les David, Yaranecha Adonai Biyam Tzara et Sagever Hashem Eloi Yarakov. Ishvar Ezrecha Mikodesh Mitzion Isaandecha. Iskor Kol Minchotecha Verolatecha Idesh Nesela. Iten Lecha Chilvavecha Verolatzatra Imale. Neranena Bishwatecha Oshem Eloenu Nidgol Yemale Adonai Kol Mishalotecha. Ata Yadati Kioshira Adonai Meshicho Yaranehu Mishmekotcho Bigurot Yisha Yemino. Eleva Rechev Veleva Susim Vanachnu Beshem Adonai Eloenu Naskir. Et ma careu benafalou, va nachnu kamnu vanitodad, Adonai Oshira Hameler Yaranenu Beyam Karen. Baruch Adonai Elohim Melech Haolam, Shehakon Yalvor. Ok.
Alors, la semaine passée, on avait parlé. Tu vois, aujourd'hui, je t'ai pris les mêmes jus que la semaine dernière. Mais j'ai pris en plus celui-là. On m'a dit que c'était le tube. Le tube. Ah, ouais. Okay. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit celui-là, c'est mon préféré. Tu sais, c'est la vieille pour faire la plus âgée. Ouais, c'est ça. C'est son. Ouais, je sais. Et elle m'a dit que c'est celui-là le meilleur. Ah, top. Allez, vous voulez qu'on goûte? Ben, vas-y. Je goûte moi en premier. Bah, écoute, allez. Avec plaisir. Tiens. Check. Alors. La semaine passée, donc, on disait les innombrables. Lequel tu veux? On partage si vous voulez? Non, vas-y. Vous voulez pas? Je crois que celui-là, c'est comme quelque chose qui était très, très beau. Tu veux goûter? Et celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Non. C'est avec du kale, les deux, mais. Ouais. Ok, bon, alors attends. Vas-y. Donc, la semaine passée, on parlait des innombrables bienfaits de la proximité affective. Ok? On parlait comment est-ce qu'on fait quand on a un enfant ou un parent, on va dire un parent en premier, qui a du mal à donner de l'amour. Okay, donc comment est-ce qu'on fait pour trouver donner de l'affection? Donc on disait, en fait, il faut profiter du sommeil. Vous vous souvenez, on parlait de ça? Ouais. Est-ce que vous avez mis en pratique? Quand ils sont en... Ouais. Ah bon? Je vais pas poster? Ah, c'est possible. Voilà, ah, c'est possible. Quand ils dorment, tu peux aller tu peux le faire à n'importe quel moment. Le Rav Jacobson, il dit en fait que c'est surtout en fait pour que le parent il puisse apprendre à donner petit à petit. Tu as des parents qui ont parlé de la théorie de l'attachement, tu sais, et il y a des parents qui ont eu une forme d'attachement, ils ont été rejetés un peu par leurs parents à eux. D'accord. Ou alors parfois ils n'ont pas eu d'affection, de lien d'affection. Peut-être ils ont été pas rejetés, mais même ignorés un petit peu, tu vois. Comme ça peut malheureusement être le cas de cette génération dans laquelle on est aujourd'hui, où quand nos enfants parlent, parfois on est nous. Ouais, bien sûr, chérie. Bah, en fait, voilà, moi cette semaine j'ai fait un effort de pas être au téléphone, de me concentrer et de ne pas regretter de lui dire des trucs. Almond comme ça. Joy. Ouais. Bah bon, de toute façon, maintenant il y en a 4. Mais t'as vu comme il est bon? Tu goûtais avec ta propre. Ok. Alors, on parlait de ça et on disait comment faire en fait pour dépasser la difficulté parfois pour un parent d'aller donner cette affection qui est vitale. On dit c'est vraiment un besoin vital de contact. Ok. Donc, on parlait de l'affection durant le sommeil, on parlait de transcrire en acte les sentiments pour les développer. D'accord ? On disait que l'amour, ce n'est pas un sentiment qui est statique, c'est un sentiment qui est évolutif et que plus on donne à un enfant, ou à un mari d'ailleurs, ou à une belle-mère, ou à n'importe quelle personne, plus on donne, plus on crée ce lien d'amour. D'accord ? C'est super important de comprendre ça. Et quand on parle de Avatrinam, c'est pareil. Plus on donne, plus on crée un lien d'amour, d'accord ? Et il nous dit, un amour qui n'est pas démontré, il est voué à s'atrophier. C'est-à-dire que si on ne sait pas démontrer son amour, il se meurt. On donnait l'exemple du Rav Dessler, qui racontait cette histoire d'une dame qui avait perdu de vue sa famille, son fils. Pendant la guerre. Et elle retrouve finalement son mari et son fils. Son mari et son fils étaient ensemble pendant la guerre, et elle voit qu'en fait, l'attachement de son mari pour son fils, l'amour de son mari pour son fils est beaucoup plus fort. Pourquoi ? Parce que pendant ces 4 années où ils ont été séparés, le mari, il a pris soin du petit, il lui a donné tout ce qu'il avait, il a protégé, il lui a donné les petits morceaux de pain qu'il avait pour lui, il les donnait pour son fils. Donc en fait, plus on donne à quelqu'un et plus on l'aime, et elle s'est rendue compte que le fait de ne pas avoir vu son fils pendant tellement d'années, elle a... son amour proportionnellement avec celui de son père était amoindri, c'était atrophié, d'accord. Le Rav Dessler, il dit, ce n'est pas parce qu'on aime que l'on donne, mais c'est parce que l'on donne que l'on aime. Ok, c'est vraiment magnifique. Et on a même un truc incroyable dans la Torah, j'avais lu une fois sur Torah Box, il dit aimer. Lorsqu'on aime quelqu'un, c'est qu'on lui a donné. Et lorsqu'on donne à une personne, on l'aime. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu de nous en lui.
Oui, oui. C'est un peu de moi en lui. Parce que lorsque je donne de moi. D'accord ? D'ailleurs, c'est le... quand on parle même de tzedaka, même quand on donne de l'argent, quand on donne de son temps, quand on donne de soi, d'ailleurs, c'est l'expression en français, je donne de moi. D'accord ? Lorsqu'on donne de soi, ça fait du sens que je suis en train de te donner quelque chose à toi, une partie de moi à toi. Même quand on donne de l'argent. Pourquoi ? On nous dit en hébreu, l'argent, on va souvent l'appeler aussi dame. C'est comme le sang. D'accord ? C'est comme si je te donnais de mon sang. Donc, tu crois que si on donne, on aime plus ? Ce n'est pas je crois. La Torah nous dit que le principe d'amour, il est lié au don. Et plus tu t'investis dans une personne, et plus tu l'aimes, cette personne. Et tu vas voir, combien si vous regardez même des émissions, il y a eu un documentaire il n'y a pas très longtemps, sur des infirmières qui accompagnent des gens en fin de vie. Ils disent, en fait, c'est horrible, parce qu'on les aime, ces vieilles dames qui partent. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tellement dépendantes d'elles. Et on parlait pas que de ça la semaine passée, on disait aussi, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que l'animal, le bébé animal, quand il naît, il est quasiment indépendant. Il a juste besoin de venir prendre le... Il se lève tout seul, il va direct prendre la mamelle de sa maman, il se nourrit, il fait ses besoins dans les fourrés, pas besoin d'aller changer la couche, il n'a pas besoin de lui faire quoi que ce soit, la vérité. Alors, pourquoi est-ce que l'être humain, oui, il a besoin de... Il est complètement dépendant quand il est. Pendant les 9 premiers mois, on va dire, d'accord, il est totalement dépendant. Tu le poses, il reste là où il est. Il ne bouge pas. Il ne peut rien se passer. Un être humain qui est posé comme ça, si tu le laisses tout seul, il ne va rien pouvoir faire. Ni changer sa couche, ni manger, ni se déplacer. Rien. Il a besoin que sa mère vienne et lui donne. Et lui donne. Et lui donne. Et pourquoi nos sages nous disent? Parce que Akadosh Baruch Hu, il voulait que plus que cet être soit totalement dépendant de sa mère, et que sa mère soit obligée de lui donner, 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 donner. Pourquoi ? Pour qu'elle l'aime, pour créer les fondations de son amour inconditionnel pour son enfant. Parce qu'il n'y a rien de plus fort. Non. C'est pas je crois, c'est justement pour ça. C'est pas inné. Ouais, mais c'est. C'est pas inné. C'est parce que. Tu vas te lever toutes les nuits et tu vas donner que tu vas l'aimer. Parce que tu lui donnes et parce que tu lui donnes et parce que tu lui donnes. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque je veux qu'il y ait de l'amour chez ces êtres humains, ce qui n'est pas le cas des animaux. Il y a une forme d'attachement chez l'animal, mais ça ne s'appelle pas de l'amour. D'accord ? Non, je t'en prie, au contraire. Pas du tout, ça ne me dérange pas, ça me fait très plaisir. Parce que je veux qu'il y ait, j'ai besoin d'amour, Laurie. J'ai besoin d'amour. Oh là là, c'est vraiment un vieux récital. Jennifer, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas, moi. C'est pas Laurie, non ? Non, c'est Jennifer. C'est qu'est-ce qu'elle chantait, Laurie ? Bon, en tout cas, tout le monde a besoin d'amour. Il n'y a pas que Jennifer. Ok. Ce qui veut dire, en fait, quoi ? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain dans ce but. Le but qu'il donne de l'amour. Et qu'ils reçoivent de l'amour, qu'ils sachent créer ce lien. Et on est tous interconnectés pour ça, d'accord ? Donc, un amour non démontré est voué à s'atrophier. Et plus je donne, et plus je vais développer cet amour, faire grandir cet amour. OK ? Et alors, il nous dit, par exemple, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a un ado ? Et que l'ado, elle commence à nous dire, écoute, t'es mignonne, mais... Non, mais ne m'embrasse pas devant tout le monde. C'est bon, maman, je suis grande. D'accord ? Ok ? Alors, ok. Donc, tu lui laisses. Mais tu, quand même, tu dois. Tu trouves qu'il faut lui laisser son. Moi, je pense. C'est pas la peine de forcer quelqu'un. Tu ne peux pas forcer de toute manière. Non, mais tu dois respecter les demandes de l'autre. Voilà, mais. Il faut respecter. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Le rêve, il nous dit, plus un enfant repousse ses manifestations d'affection, plus ça montre qu'il en a besoin, en fait. D'accord ? Ça veut dire que tu peux à ce moment-là lui donner des gestes de tendresse quand elle dort. Elle a besoin de plus d'affection. L'adolescence, c'est une phase très difficile et à dépasser, et la proximité affective et le soutien sont une aide précieuse pour l'enfant. Alors, je vais vous dire quelque chose.
j'avais une conversation hier avec une behavioral therapist, formidable, très reconnue en Floride et qui est vraiment top. Elle s'appelle Yvette Willitzer. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'elle s'appelle? Delphine Meyer nous en avait parlé une fois quand on fait la rencontre. Okay. Alors, elle me disait, tu sais, l'adolescence, c'est des... émotionnellement, c'est terrible. Vous vous souvenez quand on a accouché ou quand on avait les hormones qui nous jouaient des tours, d'accord? Tu as des moments, tu es au top, tu as des moments, tu es bas, tu es down, au top, down, au top, down. L'adolescence, c'est ça, avec en plus des changements corporels, des changements émotionnels. Tu dois te séparer de l'enfance, mais tu n'es pas encore un adulte, tu n'as pas encore totalement ton indépendance. Tu es en train de te chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle m'a dit, voilà, c'est comme si les adolescents étaient dans une sorte de tourbillon. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une corde stable, d'un cadre, pour s'accrocher. Le cadre, c'est autre part, c'est dans la discipline, c'est les sujets d'avant. Ça veut dire qu'en fait, nous, c'est super important qu'on soit stable. C'est super difficile. Parce que quand tu as un enfant qui monte, qui descend, qui est, tu ne sais pas si tu t'inquiètes, tu te dis, mais est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que ça ne va pas? Quand il va bien, tu dis, ah, génial et tout, tu en fais des tonnes. Et quand il ne va pas bien, tu en fais des tonnes dans l'autre sens. D'accord? En réalité, elle te dit, non, ce qui est important, c'est que toi, tu sois stable émotionnellement. Lui, émotionnellement, ou elle, émotionnellement, elle va faire ça, 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 ça. Et tant que toi, tu es stable, tu lui donnes une consistance et une stabilité dans ton affection, ton soutien, ton écoute, ta présence, d'accord, et donc ton amour, et ben en réalité, tu l'aides à réduire les oscillations. Parce que tu lui permets en fait de réduire au fur et à mesure les oscillations et de se sentir aimé et sécurisé. Plus un enfant repousse les oscillations de l'affection, c'est qu'on l'a fait. Comme ce travail de... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Un truc super important. La détérioration de la proximité affective et de la qualité relationnelle entre parents et enfants représente la source de pratiquement tous les dysfonctionnements éducatifs actuels. Ça veut dire qu'en fait, la majorité des problèmes éducatifs, ils sont liés à un problème lié dans l'affection, dans la démonstration de l'affection. Okay, c'est-à-dire que la première chose qu'on va voir, c'est tout de suite, ok, au niveau affectif, qu'est-ce que je peux rétablir? Qu'est-ce que je peux changer pour remettre la barre au bon niveau. Okay. Au dérèglement de la cellule familiale et de la texture des relations filiales, les enfants ont réagi par toutes sortes de dérangements comportementaux. On recherche des causes extérieures un peu partout, mais la cause réelle, c'est celle-là, c'est l'affection. Okay. C'est l'attention, c'est la présence. Okay. Alors maintenant, aujourd'hui, on va voir les innombrables bienfaits de la proximité affective. Donc, puisque... on a vu tous les méfaits, entre guillemets, de ne pas avoir d'affection. Voyons maintenant qu'est-ce que l'affection va apporter. Alors d'abord, il nous dit, c'est super intéressant, il nous dit que l'affection, elle va, entre guillemets, réduire nos erreurs. C'est-à-dire que si jamais je fais des erreurs, ce qui arrive à n'importe quel être humain, d'accord, mais les êtres humains ont fait des erreurs, le fait de donner de l'affection, ça va en fait contrebalancer les effets négatifs de ces erreurs. Okay, c'est-à-dire que, ok, c'est vrai, j'avais une maman qui se mettait peut-être en colère ou qui faisait des bêtises ou j'en sais rien, peu importe. Mais, de l'autre côté, elle m'a apporté tellement d'amour et tellement de satisfaction que, je ne parle pas de ma mère, hein, maman, si jamais un jour tu me regardes, j'ai l'impression d'être Michel Drucker, si tu me regardes. D'accord. Je suis d'accord avec toi pour ça, par contre. Les enfants, automatiquement, ils savent que tu fais des choses pas super et en même temps, ils savent qu'à côté, ça se contrebalance. Oui, bien sûr. C'est aussi bien de leur dire parfois, bah, tu sais quoi, moi, j'ai fait une erreur. Mais maman, elle t'aime et parfois, elle t'aime tellement qu'elle a l'impression qu'elle va faire les bons choix. Et en réalité, ce n'est pas forcément les bonnes choses que je t'ai dit. Je suis désolée. Voilà, je t'aime. Et parfois, quand ils ne comprennent pas aussi nos choix. Tu vois, par exemple... voilà, c'est quand ils ne comprennent pas nos choix. Tu veux dire, comme tu dis. Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce que parfois, ils n'ont peut-être pas la maturité et le recul nécessaire pour comprendre ce que maman te dit. Mais de leur préciser, je te dis tout ça, c'est juste pour ton bien, parce que je t'aime tellement. C'est ça. C'est parce que j'ai des expériences,
Mais c'est par amour. Mais ça veut pas dire... C'est pas l'expérience. Ah oui, c'est par amour, l'expérience, ils vont dire ah mais au temps des dinosaures c'était comme ça. Mais maintenant c'est plus comme ça. Mais c'est par amour, c'est parce que je t'aime. Et tu peux donner des exemples. Par exemple, voilà. Je ne te permets pas de sortir à 11h du soir, Shabbat, d'aller toucher ton copain, machin, parce que, avec tout l'amour que j'ai pour toi, je sais que le soir, sans moyen de te téléphoner ou quoi que ce soit, tu peux tomber sur des embûches. Le vendredi soir, peut-être tu as des gens qui boivent un peu, qui ne font pas attention quand ils conduisent ou peu importe. Je t'explique. Donc, par exemple, je te dis, par exemple, si je te dis, chérie, tu gardes ta petite sœur de 2 ans ou 3 ans, d'accord ? Et tu vois qu'elle est en train de monter sur une chaise, ensuite de monter sur la table pour attraper un truc très haut dans le placard parce qu'elle veut des sucettes. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? Ben, je vais lui dire, mais enfin, t'es folle, ne fais pas ça, ne monte pas sur la table, ne monte pas sur le truc. Je dis, ok. Et qu'est-ce qu'elle va te dire ? Elle va se mettre à pleurer. Pourquoi est-ce qu'elle va ? Parce qu'elle veut la sucette. Oui, mais c'est bientôt l'heure de manger, tu ne veux pas, toi, lui donner la sucette, d'accord ? Parce que toi, tu sais que si elle mange sa sucette maintenant, elle ne va pas manger son dîner. Aujourd'hui, ta petite sœur de 2 ans, elle n'a pas les capacités de maturité, comme tu l'as dit, pour comprendre que c'est pour ton bien, pour son bien que tu décides ça. C'est parce que tu l'aimes. Tu ne veux pas qu'elle monte sur la table et sur l'armoire parce que tu sais qu'elle a un grand risque de tomber. Toi, tu l'aimes. Mais elle, elle le voit comme une frustration parce qu'elle ne va pas avoir sa sucette. Lui, bah, c'est de la même manière. Aujourd'hui, maman, elle t'aime. Elle est plus âgée que toi. Et elle a une manière de comprendre le monde qui est différente de la tienne. Parce que je sais que je t'aime et que je sais les risques que tu peux prendre à ce moment-là, que toi, peut-être, tu n'as pas encore conscience de ça, non pas parce que tu es un petit, parce que tu n'es pas un petit, tu es grand, tu comprends les choses, etc. Mais que tu n'as pas encore cette maturité-là, alors tu vas trouver ça injuste. Mais sache que ça vient parce que je t'aime, de la même manière. À quel moment on les laisse faire ? Parce qu'ils disent aussi que les erreurs, ça apprend. Bien sûr, mais alors, ils vont les faire partir chez son copain à Shabbat. Moi, il va à Shabbat chez son copain, mais pas à 11h du soir. Oui, mais non, mais à quel moment tu le laisses partir à 23h ? Mais pas nécessairement. Pourquoi est-ce qu'il va aller à 23h d'abord chez des gens s'il n'est pas reçu ? Ça, c'est à toi de décider. Oui. Ça, c'est le côté discipline. Mais dans le côté discipline, c'est à toi d'établir les règles. Une fois que tu as établi le cadre, tu t'y tiens. D'accord ? Comme on l'a vu dans les chapitres sur la discipline, il y a des fois, tu peux déroger au cadre. Selon certaines conditions. Voilà, ça dépend du contexte. Ah d'accord, papa t'accompagne, ok, bah alors vas-y, tu vois ce que je veux dire. Ou alors, c'était prévu, il y a le grand frère de machin qui vient vous chercher et vous allez ensemble, ok, mais, non, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, tu reçois du monde à Shabbat et que tout le monde s'en va à 11h et que ton fils ne veut pas dormir à minuit, qu'il n'y a rien à faire à Shabbat à part aller voir des copains. Mais à minuit, il dort parce que le lendemain, il se réveille. Moi, mes enfants, ils sont debout à 6h du matin toute la semaine. Donc, le vendredi soir, ils sont crevés. Ça n'arrive pas. 6h. Nous aussi, se réveille assez tôt, mais bon, quand elle ne sort pas, hein, mais elle ne te réclamera pas. J'ai l'impression qu'il y a des enfants à 11h, ils font des trucs, enfin, je ne sais pas, ils laissent des couverts chez les amis. Non, mais ils sortent. Ou ils vont chez quelqu'un. Ou ils font des... Mais c'est à toi de déterminer tes règles. Oui, là, on parle de discipline, et ça, c'est à toi de mettre ton cadre. Il y a certaines choses que tu vas dire oui, d'autres choses, par exemple, le dimanche du Super Bowl, il me dit ok, je vais rentrer, j'ai école le lendemain, mais c'est le Super Bowl ce soir, je vais rentrer plus tard. Je dis ok, super, je te donne jusqu'à 10h30 ou 11h, je ne sais plus quelle heure, d'accord. Il va rentrer plus tard, ok, exactement. Mais en contrepartie, le lendemain, ben, tu mets ton réveil de toute manière, tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux, d'accord. Donc en fait, c'est au niveau disciplinaire. Ouais, pas forcément, t'en as qui veulent pas, mais c'est une question d'habitude et de discipline. Mais là, le Rav nous dit en fait, lorsque tu peux faire certaines erreurs, d'accord, parce que tu vas lui donner beaucoup d'affection, et ben tu vas contrebalancer les effets négatifs de tes erreurs. Donc ça, c'est vraiment un point positif du côté affectif, et tu peux même justifier tes choix par l'amour. C'est-à-dire que je le fais par bienveillance. Et ça explique parce que je vais te dire quelque chose. En tant que juif, d'accord, si on avait une explication à certaines épreuves qu'on a dans notre vie, si on sait que tu sais quoi, Hachem, il t'a mis cette difficulté, mais en fait, c'est parce qu'il sait qu'à ce moment-là, si tu avais fait un autre choix, ça aurait été pas bon pour toi. Et c'est par amour qu'il le fait. Comment tu vas prendre l'épreuve différemment?
complètement différentes. D'accord ? Je te donne un exemple. Une nana qui est bloquée dans les embouteillages derrière un camion. Elle s'énerve. J'ai rendez-vous dans 5 minutes chez la manucure. Il faut que j'y sois maintenant. Sinon, je vais attendre une heure. Patati patata. D'accord ? Elle klaxonne parce que c'est une parisienne. Va te faire truquer. Tatati, tatata. D'accord ? Elle obtiendra rien. Et elle s'énerve. Mais pourquoi, HM, tu m'as fait rater mon rendez-vous ? Tatati, tatata. OK ? Maintenant, imagine qu'elle puisse voir le dessous, le behind the scene, comment est-ce qu'on dit en français, les coulisses, d'accord ? Quand je lui réponds, tu sais quoi, regarde ma petite chérie. La loge, exactement, the behind the scene, d'accord ? Qu'est-ce qui se serait passé ? Si tu avais traversé la rue à ce moment-là, qu'il n'y avait pas eu ce camion, que je t'ai mis ce camion qui t'a pris pendant 20 minutes, qui t'a saoulé, d'accord ? Mais si tu avais traversé, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se serait passé ? Tu aurais peut-être eu, que Dieu préserve, cette personne aurait eu un accident. Donc, je t'ai mis ce camion pour pas que tu te retrouves à ce moment-là dans un accident. Ou alors un truc moins important, que tu ne te trouves pas nez à nez avec, je sais pas, ton ex ou je sais pas quoi, d'accord ? Que tu n'as pas du tout envie de voir, ok ? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? En réalité, tu ne vas pas du tout prendre la même chose, l'histoire de la même manière. Tu vas dire, ouf, heureusement, c'est 20 minutes, quel kiff, attends. Je vais prendre un Tehillim ou alors je vais appeler cette vieille dame. Mais il faut comprendre en réalité que c'est ça. Une fois que tu mets Akadosh Baruch Hu devant toi, c'est tout ça change très vite. Tu sais, hier, on avait un séminaire sur la Tefila. Et dans ce séminaire, on était en train d'étudier le... En anglais ? Non, en français. Ouais. C'est le mercredi à 13h. Si jamais tu veux, je te rajoute dans le groupe. Alors, hier, on était en train d'étudier le Birkat Kohanim, d'accord ? Qui fait « Yivalechecha Hashem veishmelecha yaer Hashem » Alors, « Yaer Hashem panavelecha vikunika yisa Hashem panavelecha yassamlecha shalom » On dit à un moment que Hashem illumine sa face sur ton visage, d'accord ? Je voudrais vous poser une question. Comment est-ce que c'est possible qu'Hachem illumine sa face sur ton visage. Dans quelle situation ce serait possible ? Imagine, d'accord, que tu as une face, un visage qui illumine. Donc, j'ai, on va dire, sur mes lunettes, un projecteur. Dans quelles conditions je peux illuminer ton visage ? Donc, où est-ce que je me situe par rapport à toi ? Face à toi. Donc, si je veux qu'Hachem illumine ma face, il faut que je mette Hachem face à moi. En réalité, pour qu'Hachem illumine mon visage, il faut que moi, je décide de le mettre face à moi dans ma vie. Il peut m'illuminer. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, il peut me protéger, mais c'est un choix. Akadosh Baruch Hu, il ne nous a pas dit « je m'impose des cocottes, je suis là et je me mets face à toi ». Non. Est-ce que je choisis de le voir devant moi dans chaque chose de ma vie ? Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe ? Ma vie, elle est totalement différente. Parce que quand je suis derrière un camion de poubelle et que j'ai Hachem face à moi, je me dis juste, Hachem, tu es là. Et c'est toi qui m'as mis dans cette situation. C'est toi qui as voulu que je sois derrière le camion de poubelle. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis exactement comme mon enfant par rapport à moi. Je suis limitée dans ma compréhension du monde. Je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas eu ce camion. Mais je te fais confiance parce que je sais que tu m'aimes. Tu me l'as assez montré que tu m'aimes. À travers... Exactement, peut-être ou pas. Tu acceptes la situation parce que tu sais que tu décides de placer Hachem devant toi. C'est-à-dire que tu décides de te dire c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde et qui le crée à chaque seconde. S'il m'a mis dans cette situation, c'est que ça. Je te l'ai dit déjà, je trouve que c'est très, 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 très. Même c'est le bitachon, parce que tu as la mémoire. C'est le bitachon, c'est-à-dire d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est ça, on est là pour ça. On est là, c'est notre... Ah, mais on transmet, il faut vraiment croire à le vivre. Pour que tu dises à tes enfants, il faut tout ce qui t'arrive de bien ou pas bien, t'inquiète pas, c'est que pour le bien. C'est très dur. Alors, tu vois, si on me dit « t'inquiète pas, ça va aller », ben moi, ça ne me rassure pas. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, tu as des gens. Moi, quand j'étais plus jeune, je suis passée par un moment où j'avais beaucoup de crises d'angoisse. J'ai eu pendant quelques années, comme 2-3 ans, des grosses crises d'angoisse. Et je me souviens que mon mari, qui est le plus adorable des maris, me disait « mais t'en fais pas, tout va bien ».
Et je le regardais, je me disais, mais tu ne te rends pas compte que ça ne sert à rien ce que tu me dis. Ce n'est pas ça qui me rassure, en fait. Ça, dans un moment de tourment, dans un moment d'incompréhension, on n'arrive pas à se satisfaire, mais t'en fais pas, tout va bien. D'accord ? En revanche, d'intégrer le fait que Hachem t'a mis là. Hachem, c'est lui qui veut que tu passes par là. Alors, comment t'as... Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ben, une fois que tu l'intègres, tu as des exercices. Non, une fois que tu l'intègres, tu lâches prise. Et c'est ça qui est très difficile. Et c'est ça le problème des personnes angoissées, c'est qu'elles sont dans le contrôle. Tu es angoissée parce que tu veux contrôler et pourtant, ça ne va pas dans le sens où tu vas. Et tu veux contrôler, et tu veux contrôler, et tu veux contrôler. Le moment... Elle pense beaucoup plus que la norme. Oui. En réalité, non. Elles sont conscientes de leurs pensées parce que tout le monde pense autant. Mais elles sont plus conscientes de leurs pensées. On a des millions de pensées à la seconde. Il y a des enfants qui sont plus angoissés. Oui. Il y en a qui se détachent complètement de la réalité. D'autres qui vont rentrer dedans et se poser un milliard de questions. Et du coup, la seule phrase qui peut les rassurer, c'est de toute façon, Hachem est à côté de toi et te protège. Moi, je vais être protégée chez mes enfants. Hein. L'autre, il va l'entendre, cette phrase, il le sait, ces trucs, parce que, bon, il ne va peut-être pas autant penser que son frère. Et du coup, il va forcément être moins angoissé. Après, tu sais, tout dépend de la mission qu'on a à réparer ici. C'est-à-dire que moi, j'ai vu dans ma vie, par exemple, je suis passée par ce stade de crise d'angoisse parce que j'avais besoin d'aller travailler sur ce bitachon et de rencontrer les personnes. Si je n'avais pas eu ces crises d'angoisse, je n'aurais pas été rencontrée les personnes qui m'ont aidée, guidée. Et ces épreuves-là m'ont permis d'arriver à qui je suis aujourd'hui. Je ne serais pas celle que je suis et je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas eu ça dans ma vie. Chaque épreuve, c'est simple. Tu sais, qu'est-ce que c'est qu'une embûche ? C'est une bûche qui est sur ton chemin. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas t'arrêter devant la bûche ? Tu vas décider de trébucher ? Ou alors tu vas dire, mais attends, cette bûche, c'est génial. Je peux monter dessus. Je peux m'élever grâce à cette bûche. Et attends, je vais en chercher une autre. Ah, il y en a une autre qui arrive. Je vais la mettre à côté. Hop, et je vais me faire un escalier pour arriver là où Akadosh Baruch Hu, il attendait que je sois. Tu sais que c'est des caractères, parce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des personnes qui peuvent surmonter les choses plus facilement. On a tous une carte d'identité différente, avec des talents différents. On ne se ressemble pas, on a chacun nos propres challenges. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous pour but de nous faire arriver à nous élever. Et que l'on soit plus sensible ou moins sensible, c'est juste parce que Hachem, il nous taille exactement le tailleur sur mesure pour arriver à justement cette Esther, cette Solange, cette Alex qu'on doit être et auquel on va devoir lui rendre des comptes à la fin de la vie. Alors, au final, tu as été ce potentiel que je t'avais donné ou pas ? Tu as fait ta mission sur Terre ou pas ? Si oui, ah bon ? Ok, alors, vas-y, montre. Montre-moi, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que moi, je t'attendais là-dedans. Parce que toi, tu avais le potentiel, avec ta sensibilité et avec ton empathie, d'aller aider les autres. Ben moi, je pensais que tu allais devenir psy, par exemple, ou que tu allais faire ci, ou que tu allais faire ça. Ou alors, voilà, tu as beaucoup d'empathie, ben toi, tu vas aider les enfants à aller gérer leur stress. D'accord ? Tu vas aller, je vais te mettre devant certains trucs que tu vas découvrir à travers tes enfants, certains challenges qui vont faire que tu vas te dire, mais attends, mais ça n'existe pas, cette méthode-là, elle est géniale, mais ça n'existe pas ici. Ben, je vais aller me renseigner et je vais, au lieu de me dire, ben, oh, mince, ça n'existe pas ici, mais c'est terrible, oh là là, c'est dramatique, comment je vais sauver mon fils ? Ben non, tu vas dire, tu sais quoi ? Ben, moi, je vais l'importer, cette méthode ici. Et du coup, tu vas te former pour cette méthode, tu vas l'importer et tu vas aller diffuser le bien qu'Hachem t'a demandé de diffuser. Tu vas aller donner aux autres cette méthode que toi, tu es allé chercher pour aller former, pour te former, pour aider ton fils en premier. Et en réalité, après, tu vas aider les autres. Et c'était ça ta mission à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il nous fait tout pour nous aider à aller vers là où on doit aller. Mais on a toujours le choix parce qu'on a le libre arbitre. On peut soit décider de se dire « Ah là là, mais c'est terrible, mais regarde ce qui m'arrive, mais quoi, mais regarde mon fils les difficultés qu'il a, regarde ma fille les difficultés qu'elle a. » Mais quelle galère, et regarde, il n'y a rien autour de moi pour m'aider, mais vraiment, là, là, je vais me fouetter avec des orties fraîches, d'accord ? Ou alors, tu te dis, mais attends, ok,
J'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi les différentes options qu'il y a dans le monde? Ils ont un, tu sais ce dicton où ils te disent « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est ça en fait, c'est fais un effort et après Hachem il te met des choses devant toi. Et tu sais, quand on étudie le cours de Rosh Hashanah, de la préparation à Rosh Hashanah, on parle de Elul. On dit Elul, c'est le moment où le roi est dans le pré. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe quand le roi est dans le pré ? Là, il est tout proche de nous. Tu te souviens? Et Elul, ça tient pour Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Anil et Dodiv et Dodili. D'abord, moi, donc je suis pour mon bien-aimé est à moi. Je suis pour mon bien-aimé. Je vais faire un pas vers toi, mon bien-aimé, Akadosh Baruch Hu. Je fais un pas vers toi. Et ensuite, c'est toi qui viens vers moi. Je décide de te placer face à moi et tu éclaires mon visage. C'est ça. Tu comprends? En fait, je décide. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, attendez, vous n'êtes pas des robots. Parce que quel est le mérite d'un robot? Aucun. Il est programmé pour faire le bien. Il est programmé pour faire une tâche. Non. Ce n'est pas ça la clé du monde. Tu es programmé pour faire soit le bien, soit le mal. Tu as décidé, lorsque nous étions là-haut dans le Gan Eden, Adam et Chava se sont laissés entraîner par le serpent qui représente le Yetzer Hara à goûter ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as voulu goûter du fruit de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, tu as le bien et le mal. Tu as ce Yetzer Hara en toi, qui est entré en toi. Et c'est à l'intérieur de toi que va se baser, c'est le combat pour le choix. Mais tu as le choix. Exactement. Et c'est comme ça que tu vois même ce vers quoi Akadosh Baruch Hu t'attend. On n'a pas du tout parlé d'éducation. Mais en réalité, oui, parce que tout ça, c'est... Mais c'est très important parce que l'éducation, ça, c'est très important pour baser son éducation aussi. Parce que c'est la base de l'éducation. Mais bien sûr, parce qu'une personne qui vit comme ça, qui vit avec Akadosh Baruch Hu devant... Mais je vous raconte une histoire. La semaine passée, moi, franchement, j'essaye au maximum de mettre Akadosh Baruch Hu devant dans ma vie. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose qui arrive, je me dis, OK, Akadosh Baruch Hu, je sais que c'est toi qui as décidé, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui le réalise, c'est toi qui me veux dans cette situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux, d'accord, de cette situation? Et je parle à haute voix, très souvent. Donc, mes enfants, ils entendent beaucoup. Hein? Ils entendent voix. Pourquoi? J'ai... Ah bon, non, moi, ça, non, moi, je parle, j'ai une conversation. Moi, voilà. Pas du tout, aucun problème. Même quand je suis seule. Ah ouais? Peut-être. En tout cas, il ne faut pas avoir honte de parler avec ses enfants, surtout quand on est avec ses enfants et son mari. On a le droit d'être vulnérable avec eux. Si on n'est pas vulnérable avec eux, avec qui on est? Alors, la dernière fois... Moi, je vais m'exprimer. Voilà. Oui. J'avais entendu que je valais mieux de dire avant l'autre. Non, mais si tu le dis, si tu l'exprimes avec tes mots et que tu le prononces vraiment, c'est ça qui est important. C'est la réalité que tu donnes en verbalisant. Pas en pensant. La pensée, on est dans un monde d'action, dans un monde de concret. Donc, il faut verbaliser. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu crée le monde à travers les paroles? La parole. D'accord, on en parlait la semaine passée, il me semble, je parlais de la Matrix, le film de la Matrix. Okay. Alors, en tout cas, oui, je vais vous raconter cette histoire. Donc, il y a 2 semaines, c'est l'anniversaire de mon mari. Et il me dit, on va manger au resto, je vous invite à manger au resto avec les enfants. D'habitude, je ne prends pas de babysitter parce que j'ai les garçons qui me gardent Sarah Simcha. Et là, comme les garçons voulaient venir, mais Sarah, elle me disait, je suis fatiguée. Je me suis dit, bon, si tu es fatiguée, si tu veux, on va prendre est-ce que tu veux que j'appelle une babysitter? Oui, maman, oui, super. Je me suis dit, comment ça, super? Elle ne sait même pas ce que c'est. Enfin, elle n'a jamais eu de babysitter. Donc, je dis, ah bon, super. Alors que quand il y a de temps en temps la nanny qui vient l'après-midi ou quoi, elle n'a pas du tout envie d'être avec elle, je me suis dit, c'est bizarre, mais bon, je dis, alors, qui tu veux qu'on appelle comme babysitter? Elle me dit, Hachem. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'on va lui dire à Hachem? Que je veux une babysitter. Ah, il n'y a plus qu'un baby sister. Ouais, non, c'est pas possible. Je dis alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle a compris déjà à son âge que quand on a besoin de quelque chose, on demande à Hachem. Elle a confondu baby sitter et baby sister parce qu'elle avait jamais entendu ce mot de baby sitter. Donc je lui ai expliqué baby sitter. Non, donc après, c'est ça. Après, non, finalement, elle est venue. Alors je lui ai dit, mais non, baby sitter, c'est quelqu'un qui vient, comme Susanna par exemple, pour te garder et que elle a dit, ah non, non, non.
non, moi, je viens au restaurant. Je dis, ah bon, d'accord. Donc, tu viens au restaurant. OK. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, en parlant devant ses enfants, en étant dans notre vie, on n'a pas besoin de... On doit être nous-mêmes avec nos maris, avec nos enfants, d'accord? Eh bien, oui, ça transpire en réalité, ça se transmet, notre bitachon se transmet à travers ça. Et c'est très important parce que c'est un challenge très dur dans la vie de ne pas avoir de bitachon. C'est très dur. Et si on peut leur éviter ça, si on peut les aider à comprendre que si maman, elle a confiance en Dieu, alors moi aussi, j'ai confiance en Dieu parce que j'ai confiance en maman. Donc, par translation, j'ai confiance en Dieu. Mais c'est vraiment un vrai travail. Bien sûr. Mais c'est notre travail. D'y croire, parce que tu sais, quand j'ai été faire la semaine dernière, il y a deux semaines, j'ai été faire une mammo et ils m'ont dit, oh là là, on a trouvé un truc pour tout ça. Va vite, ils m'ont appelé, on va te prendre un rendez-vous vite. Ma mère, elle a eu un cancer du sein quand elle avait 45-46, c'est mon âge. Et du coup, ils m'ont dit, va vite, prends un rendez-vous. Ils m'ont pris rendez-vous la semaine d'après à l'hôpital pour faire une... Et j'étais tellement angoissée, j'ai dit c'est pas possible, pendant une semaine, vraiment, j'ai une vraie angoisse. Et en allant à l'hôpital, parce que bon, mon mari est resté, parce qu'il allait chercher la fille, et j'ai dit, tu sais quoi, ta mère, elle avait fait un truc. J'ai plein de gens autour de moi qui ont des cancers du sein et qui s'en sortent, donc il faut vraiment que j'ai confiance en HM. Et donc, je me suis dit, tu sais, quoi qu'il arrive, toi qui m'arrivera, il faut que j'ai confiance parce que je ne peux pas m'angoisser comme ça et me dire, oh là là, comment je vais faire avant de savoir. Et une fois que si tu as challenge quelque chose, te dire, ah, c'est la fin du monde. Tu peux pas, donc tu te fais un vrai travail sur toi. Et quand je suis arrivée, j'étais très calme, très relax. Ouais, je dis, bon, ce qui arrivera, arrivera. Voilà. Tu as lâché prise. Oui, vraiment, mais j'ai deux jours d'angoisse. Et après, tu te dis, ma mère, elle l'a fait. Il y a des autres femmes qui le font. Je ne suis pas la seule. Je suis arrivée au truc des cancers. Et il y avait plein de femmes. Et tu les vois. Tu te dis, mais dis-moi, je suis folle. Quoi, ça va pas. Tu vois, ce qui t'arrive, t'arrive. Et bien, ça, c'est du bitachon. Ouais, c'est un très bel exemple de bitachon. J'ai repensé à tous ces cours qu'on a fait. J'ai dit, non, il faut vraiment que tu penses. Ce qui t'arrive, doit t'arriver, ce qui t'arrive pas, ça doit même intervenir quand il y a des choses qui ne sont pas graves du tout. Oui, mais les choses pas graves, c'est facile à contrôler. Mais en réalité, non. Finalement, c'est l'inverse du contrôle. C'est vrai. Ah, moi, je trouve que c'est... Le bitachon, c'est l'inverse du contrôle. Oui. Quand je dis contrôler, c'est-à-dire des choses comme ça où tu te dis, voilà, comment je vais le faire, ben, il faut se dire que chacun fait des choses comme ça, des tests. Et le bitachon, tu peux pas, et c'est vraiment, mais tu sais quoi, peut-être que tu as eu cette épreuve qui, grâce à Dieu, n'était que une épreuve, voilà, que tu l'as relevée. Ah oui. Alors, tu as relevé ton épreuve, bah, oh, Hachem, il t'envoie des bonnes nouvelles. Mais tu sais ce que je pense quand même, c'est que chaque chose qui nous arrive, c'est vraiment des tests. Bien sûr. C'est pas des épreuves. Il y a un très beau livre de la rébétine Esther Young-Brace qui s'appelle « La vie est un test ». Très beau. En anglais ou en français, ouais. La vie est un test. C'est vraiment très, très beau. Je trouve que c'est vraiment un test. Chaque jour, même il faut le dire. Oui, je l'ai, si vous voulez, je vous le prête. Vraiment très, très beau. La rébétine, elle était incroyable. Voilà. Alors, bon, la semaine prochaine, on fait... La semaine prochaine, on parle de... Ah oui, donc pas la semaine prochaine, dans 3 semaines. D'accord, bon, on en est là. Immunisation contre les influences négatives extérieures. Et ensuite, on va faire quelques exercices de simulation. On va faire un petit récapitulatif sur l'affection. Et ensuite, on passe à la gestion des émotions, de nos émotions en tant que parents. OK? Super. Voilà. Je sais que je voulais dire un... À bientôt. Parce que j'y pense à chaque fois. J'ai été un...